Eh bien, salut à tous les Google Addicts, c'est Benjamin de la chaîne YouTube Google Fan News FR et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept, un nouveau concept sur la chaîne. Et c'est tout simplement des petites vidéos en fin de semaine pour résumer l'actualité des produits de Google de la semaine. Voilà, donc ça va durer quelques petites minutes pour revenir sur toute l'actualité de Google de la semaine précédente. Voilà. Et donc c'est parti pour cette Google Addict News numéro 1. Et cette semaine, les news ont tourné aux couleurs de Google Chrome. Et oui, puisqu'on va retrouver aujourd'hui deux news qui concernent Google Chrome. Une bonne et une assez mauvaise. Et cette première news concerne les utilisateurs macOS qui pourront maintenant bénéficier de Google Chrome en mode sombre. Excusez-moi de ma Google Home qui est juste à côté, qui vient de s'allumer. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo présentation de ma maison, voilà, avec tous mes appareils équipés. Mais on verra ça plus tard. Et donc, c'est la version Chrome 73 sur macOS Mojave qui sera mise à jour pour accueillir le mode sombre. Et en parlant de mise à jour de Google Chrome, et vous ferez mieux de vérifier si votre Google Chrome est à jour, parce que cette semaine, il y a eu une petite panique. Une vulnérabilité a été détectée au sein de Google Chrome. Donc cette vulnérabilité est en fait une faille zero day. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une faille zero day, c'est tout simplement une grosse faille de sécurité et qui permet à des hackers de faire de très gros dégâts et de prendre le contrôle de votre ordinateur. Donc c'est assez sérieux quand même le problème qui s'est passé sur Google Chrome. Mais vous inquiétez pas, Google a très rapidement réagi et a déployé la mise à jour 72.0.36.26.121 et qui permet de régler ce problème. Donc une simple recherche de mise à jour, et si vous êtes à jour, et pas de problème. Et avant de conclure cette vidéo, je voulais vous rappeler que les conférences de Google, donc les Google I.O., ça commence à partir du mardi 7 mai et ça se termine le jeudi 9 mai. Donc je ferai peut-être soit un live débrief, soit une vidéo débrief. Enfin bref, il y aura du contenu qui sera ajouté sur la chaîne pendant ces Google I.O. Bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel a appris des trucs, notamment sur les prochaines versions de Google Chrome. N'hésite pas à faire partager cette vidéo aux gens qui utilisent Google Chrome pour les prévenir du danger, s'ils n'ont pas mis à jour leur Google Chrome. Et sur ce, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, comme on dit dans le milieu. Et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, et à mettre dans les commentaires un sujet de vidéo que tu aimerais bien voir. Bref, à la prochaine alors !